Bientôt dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le 15e épisode de notre Let's Play sur Pokémon version violet. Et donc, la dernière fois, nous avions battu l'arène de Machine, la troisième arène du jeu de type électrique. On va donc pouvoir se diriger vers un nouvel objectif. Avant cela, je vais simplement vous expliquer les petites choses qui vont être changées après chaque objectif du coup rempli, comme je l'ai fait pour Pokémon Écarlate jusque-là. Je l'ai d'ailleurs expliqué sur les vidéos le concernant, qui seront diffusées quand elles le seront, et vous verrez qu'au fur et à mesure ça changera. Donc du coup, comment ça va se passer globalement? Eh bien, à chaque objectif rempli, je m'autorise l'échange d'un Pokémon dans les limites de niveau par rapport à la dernière arène faite. Donc là, en l'occurrence, je crois que c'est 30 ou 35. Eh bien, je ne peux pas échanger un Pokémon d'un niveau supérieur. De toute façon, ça bloquerait le Pokémon échangé par la suite. Donc, je n'ai pas le choix. Après, je libre à moi de choisir le Pokémon souhaité. Toutefois, je vais prendre un Pokémon différent dans cette version par rapport à Pokémon Écarlate. Tous les Pokémon que j'ai déjà essayé dans Pokémon Écarlate, je ne vais pas les essayer de nouveau dans Pokémon Violet, voilà, tout simplement. Donc du coup, depuis qu'on a commencé le jeu, par rapport au nombre d'objectifs remplis, il y a des Pokémon que je ne m'étais pas octroyé encore. C'est pourquoi j'ai fait venir trois Pokémon dans ma partie, et vous les voyez d'ailleurs dans l'équipe. On a du Scovillain, Pokémon un peu unique et nouveau. Pokémon de type plante et feu, le premier double type plante et feu du jeu. Pomarmotte aussi, que j'avais envie de jouer. Et Azumarill Coloforce, parce que j'ai vraiment beaucoup essayé, tout essayé pour avoir un putain d'Azumarill Coloforce, mais sans résultat, donc on l'a échangé. Pas de souci là-dessus. L'objectif du coup que l'on va faire dans cet épisode, c'est un troisième Pokémon dominant. Le Pokémon dominant en question, c'est Fer de Terre. Alors Fer de Terre, où est-ce qu'il se trouve? On va chercher sur la carte, évidemment. Et on va le trouver, hein. Il est là. Hop! Donc il faut partir de l'Eval Mdoura, mais au nord. Donc on va repartir de l'autre côté et on va se diriger vers ce Pokémon dominant. Fer de Terre, qui est un Pokémon de type acier, hein, évidemment. Zone F numéro 2. Donc on va essayer de rattraper le retard par rapport à Pokémon Écarlate. Donc en fait, je fais l'avancement à peu près au même niveau. Actuellement, j'en suis à 6 badges, hein, sur Pokémon Écarlate. Donc voilà, ça avance. Alors, le hit étudiant. Pas grand. Hop. Ça c'est pas mal, au revoir. On va toucher. Et on va mettre notre ami Pomarmotte. Pour l'essayer un petit peu. Ça fait tout le monde participe. On va pouvoir balancer le Mac Punch. J'ai de bons dégâts. Le tunnel. Qu'est-ce qu'il va prendre? On va prendre Sizer. Il va prendre deux dégâts sur ce mur. Voilà. Et le petit stop pour Clean. C'est parti! Au revoir! C'est dur en affaire. Non, pourquoi? C'est juste mis à chier. Combat avec des putains de frags grands.
cochon de merde. Hop. Évidemment, le téléphone sonne. On va voir ça, mais... Avant cela, j'ai un combat qui m'attend. Les Pokémon assez. Oui. Bah, c'est mon truc préféré, donc c'est... Et on est plus de on va se faire plaisir avec la terre à cristallisation. J'ai choisi un Terrasol, qui nous accompagne très très bien avec un petit projet. Et surtout on va balancer la terre à explosion sol sur la double faiblesse. Au revoir. On a battu. Les faiblesses, donc. Il y a juste une neutralité combat. À l'étudiant pour être blind. Alors que pourtant il s'attendait de nous qu'il a sa défense augmentée. On est presque. Le voilà. Alors on va lui. Ça, hop. Allez, sors de là. On en finisse. Je te préviens, tu vas morfler. On commence avec l'enflamme. Oh oh oh, il s'est fait casser la gueule. Putain. Oh là là, ah, celle-là tu l'auras pas volé. Hein. Allez, on va le suivre. On va passer à la deuxième manche.
c'était largement WhatsApp. Non. On a officiellement rempli cet objectif. Encore deux dominants à affronter par la suite.
Donc c'est la fin pour cet épisode, on aura battu le troisième Pokémon dominant, sans trop de soucis, comme vous avez pu le voir, on aura donc la possibilité d'avoir un nouveau Pokémon dans la team. On a rempli un nouvel objectif, on se retrouve très prochainement pour faire justement un nouvel objectif, nous verrons ce que nous ferons la prochaine fois. Merci beaucoup donc de m'avoir suivi et on se retrouve très prochainement pour la suite, merci.